Quelle autre firme française peut prétendre atteindre l'aura de Citroën? Fondée en 1919 par André Citroën, elle a définitivement marqué l'histoire de l'automobile, de sa créativité et de la singularité de ses productions. De ses exploits uniques à ses recherches technologiques, voici donc l'aventure de Citroën, placée sous le signe de l'innovation depuis déjà 80 ans et pour longtemps encore. Tout partira de l'imagination de cet homme, André Citroën. Génial visionnaire, d'un dynamisme et d'une force morale incroyable, il va révolutionner en France et en Europe l'automobile, l'industrie et la publicité. La marque Citroën avait comme créateur un homme qui s'appelait Citroën. Et c'était lui, justement, qui avait les idées, qui avait envie de ne pas faire comme tout le monde, qui avait envie d'innover. Mais à tout propos, pour l'automobile, bien sûr, mais pour bien d'autres choses, sur bien d'autres sujets. C'était un créateur et un inventif. André Citroën, il ne faut pas l'oublier, avait fabriqué des obus de 75, à une cadence extraordinaire. Il en sortait des dizaines de milliers par jour. Alors quand, en 1919, il a transformé son industrie d'obus en industrie automobile, tout de suite, c'était l'idée de la grande série. Il a eu des contacts avec Henry Ford et il s'en est sorti renforcé parce que Henry Ford, lui, déjà, sortait depuis plusieurs années les Ford T en série. Et puis, créer une usine avec un personnel compétent, bien sûr, mais qui aime son travail. Il ne pouvait travailler qu'avec des gens qui aimaient ça. Il a créé une véritable sécurité sociale pour son personnel, ce qui n'existait nulle part ailleurs. Il a créé aussi une aide pour les femmes enceintes. Il a beaucoup, beaucoup participé au bien-être de son personnel. Efforçons d'améliorer sans arrêt les conditions de votre existence à l'usine. Je suis heureux de profiter de cette circonstance pour vous informer que la fête de l'arbre de Noël, qui nous permet à tous de nous réunir et de distraire les enfants de 6 à 12 ans, aura lieu le 25 décembre au Palais des Sports. Il y aura, comme d'habitude, représentation, distribution de jouets, goûter, tombola, et que le nombre de places étant de 17 000, tous les enfants et tous leurs parents pourront aisément s'y trouver réunis. Bon appétit, mes chers amis. Et vive la bonne humeur française! Afin d'affirmer sa popularité, André Citroën ira jusqu'à créer des compagnies de bus et de taxis et installer le premier réseau de signalisation routière. Qui aurait pu imaginer pourtant que la construction d'obus et de chevrons, qui feront le cycle de sa marque, le conduirait à la production d'automobiles? En 1919, André Citroën a décidé de se lancer dans la fabrication automobile. Il y pensait déjà depuis un moment. Il était représentant, directeur général même des automobiles Morse, qui étaient des voitures très conventionnelles, mais qui ne lui convenaient pas. Par contre, lui, il pensait, surtout après les contacts avec Ford, faire une voiture populaire, pas chère et tout équipée. Ça a été la Type A, la première de toutes les Citroën. C'était une voiture assez classique sur le plan technique. Mais elle avait tout de même un carter moteur, des carters de boîte de vitesse, etc., en alliage léger. Ça, c'était quand même important. En 1925, Citroën sort une voiture qui était la suite de la série A et de la série B, qui était la B14. Et elle avait un moteur tout à fait nouveau, parce que le bloc cylindre, avec ses trous dedans, là, recevait dans chaque alésage, chaque cylindre, un appareil qui descendait. Cet appareil avait des galets cylindriques tout autour de l'axe principal. Et ces galets pouvaient s'écarter par un excentrique qu'il y avait dans le milieu. Alors on descendait ce chapelet de galets dans le cylindre et on écartait les galets,
qui venait écraser l'intérieur du cylindre avec une pression étonnante, à tel point que les cylindres étaient fabriqués plus petits que la cote définitive, puisqu'on l'élargissait. Ça donnait une dureté à ces cylindres extraordinaire. Ils étaient inusables. Et le procédé, malheureusement, a été abandonné parce qu'il était trop cher. Toujours dans l'idée de faire parler de lui, de faire parler du nom de Citroën, cet homme génial a décidé de fabriquer des auto-chenilles, avec pour les chenilles l'aide d'un grand ingénieur, Instin et Kégrès. Kégrès est le nom qui est resté de ces chenilles en caoutchouc, ce qui était tout à fait nouveau. Et puis, ça a été la création de la croisière noire et finalement de la croisière jaune. Et tout ça a été une époque qui a coûté très cher à Citroën. Il a essayé d'en vendre en France à l'industrie pour remplacer les tracteurs agricoles. C'était cher, les chenilles étaient relativement fragiles, les réparations presque impossibles et il n'y a pas eu de suite. Dans les années 20 et 30, Citroën va aller d'invention en invention à tous les niveaux. Il est par exemple le premier à éditer des revues techniques sur ses modèles. Concernant ses véhicules, André Citroën, toujours à la recherche d'un meilleur confort, adopte en 1932 un brevet français vendu à Chrysler, le moteur flottant, qui consiste à monter la mécanique sur cylindre bloc. Bien avant, en 1925, il décide de renforcer la sécurité de l'habitacle et utilise la coque tout acier. Auparavant, la carrosserie était constituée d'une structure en bois à panneaux de tôle qui ne pouvait résister à aucun choc. L'utilisation exclusive d'acier constitue alors une grande innovation pour la sécurité routière. Poursuivant dans ce sens, la marque Citroën lance en 1932, avec la nouvelle gamme Rosalie, la carrosserie monopièce. Il ne s'agit pas encore d'une structure véritablement monocoque, mais l'ensemble des panneaux latéraux sont pressés d'une seule pièce, ce qui constitue une formidable innovation dans le domaine de l'emboutissage. La rigidité de la carrosserie s'en trouve évidemment accrue, et Citroën n'hésite pas à effectuer des démonstrations spectaculaires pour le prouver. De telles inventions s'accompagnent logiquement de coûts de production plus élevés, les techniques de fabrication et les machines-outils étant de plus en plus perfectionnées. Malgré le succès considérable de ces automobiles, André Citroën s'endette d'année en année pour améliorer sans cesse. Les effets de la crise économique de 1929 commencent néanmoins à avoir des répercussions dramatiques sur l'ensemble de l'industrie. En 1932, la production chute de moitié et Citroën est contraint de licencier massivement et d'effectuer des contrôles draconiens sur les finances. Ce qui ne l'empêche pas d'agrandir à grands frais le site de Javel en 1933, emporté par un enthousiasme et une mégalomanie aveugle. Continuellement animé par l'envie d'aller toujours plus loin dans l'innovation et d'avoir plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence, Citroën lance en 1933, contre l'avis des financiers, l'étude d'une automobile révolutionnaire à tout point de vue. Citroën pensait déjà depuis un moment faire une traction avant. Et voilà que Lefèvre arrive avec ce projet. Ça, l'accord a été conclu tout de suite. Et un an après, vous me suivez bien, de mars 1933, mars 1934, la traction était finie, elle roulait et elle était présentée au concessionnaire. En partant de zéro, aucune autre pièce d'aucun autre modèle de Citroën n'avait été réutilisée. On serait incapable de faire, en partant de zéro, une voiture aussi révolutionnaire que celle-là. On serait incapable de le faire maintenant. Thank you.
tout va bien, la promenade continue. Alors cette traction avant avait une carrosserie coque, ce qui était nouveau. Elle avait un plancher plat, lisse, donc aérodynamique. Elle avait une suspension par barre de torsion. Elle avait un tableau de bord nouveau, les vitesses sur la planche de bord. À l'avant de cette coque, il y avait quatre broches avec quatre boulons et on pouvait enlever les quatre boulons, enlever tout le train avant d'un bloc, le moteur, la boîte de vitesse, l'essieu, les roues, le radiateur, tout sortait d'un bloc, comme un tiroir. Et puis, ça a été le succès de la traction avant. André Citroën ne connaîtra pourtant pas le succès considérable de sa traction avant. Rongé par un cancer, usé psychologiquement, il décède le 3 juillet 1935, à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une œuvre considérable, pas seulement liée à l'histoire de l'automobile. Il est mort ruiné parce qu'il a pris les banquiers de front. Et il était un peu mégalo, ça va avec le personnage. Donc il n'a jamais accepté d'être débiteur des banques et de devoir tous les lundis matins, comme tous les présidents, y compris ceux de l'automobile, aller faire leur couverte devant les banquiers. Il est même allé jusqu'à créer sa propre banque en faisant ses propres crédits, parce qu'il a aussi inventé le crédit automobile. Et là, l'intelligentsia de la banque s'est braquée contre lui et l'a mis en faillite. Mais une faillite d'ailleurs qui était à la limite de la tolérance, tolérable, puisque à 3 mois près, il faisait la soudure, il avait pris du retard sur le lancement de la traction. Si la traction était arrivée, la maison se redressait. Elle s'est redressée d'ailleurs quelques mois après lui. Je pense qu'André Citroën a tout inventé de la publicité moderne. Certes, il est arrivé à l'âge de la réclame, c'était encore du beau, du bon, du bonnet. Et avec cet esprit d'innovation, mais aussi d'aventurier qui le hantait, il a défriché tout ce qui était autour de la publicité. D'abord les croisières qui l'ont rendu célèbre, mais qui étaient des véritables opérations de publicité. La visite d'usine, Lindbergh lui-même, qui s'est dirigé grâce à la Tour Eiffel, hein, qui a atterri grâce à la Tour Eiffel et à Citroën sur la Tour Eiffel, est venu à cause de ça, parce qu'il avait refusé, mais comme il a estimé que la Tour Eiffel, illuminée par Citroën, lui avait sauvé la vie, il a accepté de venir inaugurer l'usine. Ça a été un moment extraordinaire. Et puis, il a inventé ce qui fait florès encore aujourd'hui, les essais. Il avait prévu le principe de caravane qui faisait le tour de France de toutes ses concessions et qui, pour la première fois, permettait d'essayer les voitures qui, bon, il y a déjà 70 ans, était une révolution. En 1922, André Citroën va lancer ses fameux raids à travers l'Afrique et l'Asie. La traversée du Sahara en 1922 et 1923, puis la fameuse croisière noire en 1924 et 1925, vont constituer un fantastique défi technique et humain, permettre d'explorer des terres encore méconnues et apporter à Citroën une publicité sans précédent. Plus emblématique encore sera la croisière jaune de 1931 à 1932. Avec un parcours de 12 000 km à travers des paysages qui n'avaient encore jamais vu d'automobile et n'en verront jamais plus. La Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Inde verront passer la colonne de Citroën. Les autochenilles passeront même à travers les plus hauts sommets du Tibet, bien qu'il ait fallu parfois les démonter pièce par pièce. Puis ce seront les vents de sable du désert de Gobi qui attendront les aventuriers français. L'arrivée triomphale à Pékin consacrera l'endurance des mécaniques Citroën, 12 des 13 autochenilles ayant pris le départ, franchissant les portes de la capitale chinoise.
Les films réalisés sur ces croisières feront le tour du monde, faisant du nom Citroën un synonyme d'avant-garde et de défi. En 1925, André Citroën aura une autre idée pour faire connaître sa marque. Toujours grandiloquent, il n'hésitera pas en effet à investir toute la hauteur de la Tour Eiffel pour y installer son nom en lettres de feu. Des milliers d'ampoules et de mètres de câbles électriques seront nécessaires pour parvenir à créer cette publicité géante. Pour mener à bien l'installation, on fera appel à des voltigeurs, trapézistes et autres cascadeurs capable de travailler à plusieurs dizaines de mètres du sol sans connaître le vertige. On remarquera d'ailleurs sur ces images qu'aucun d'eux ne porte de baudrier ou de câble de sécurité. Citroën de série, petite Rosalie, a parcouru sur l'autodrome de Montlhéry, à plus de 93 de moyenne, 300 000 km en 134 jours, ce qui représente près des 4 cinquièmes de la distance de la Terre à la Lune. Jamais voiture au monde n'avait approché une telle performance. La 8 chevaux Citroën, petite Rosalie, a été achetée chez un concessionnaire parisien de la marque par la société des huiles Yaco, et mise en piste par elle le 15 mars 1933. La voici au 62e jour de sa ronde, qui jusqu'alors s'est déroulée sans histoire. À cette date, elle commence à établir de nouveaux records du monde, puisqu'elle vient d'atteindre 140 000 km et de surpasser par conséquent l'exploit de son aîné. Voici, devant la ligne de départ, le poste de contrôle où se tiennent en permanence jour et nuit les commissaires techniques et chronométreurs officiels de l'ACF. La tentative est contrôlée d'une façon permanente par les commissaires techniques de l'Automobile Club de France qui veillent impitoyablement à la stricte application des règlements internationaux. Mais voici l'heure du ravitaillement de la voiture. Celui-ci ne peut naturellement s'effectuer qu'en présence même d'un commissaire. Régulièrement, toutes les 5 heures, la voiture fait son plein d'essence et éventuellement d'huile et d'eau. C'est aussi à ce moment que s'effectue le changement de pilote. Le signal d'arrêt est donné. Voici Bodeco, qui va relayer au volant de la vaillante petite voiture son camarade Lucien Marchand. Les ravitaillements sont effectués à une allure record, car les temps d'arrêt, quelle que soit leur cause, ne sont en aucun cas neutralisés. Leur durée compte dans le temps total du parcours de la performance. La pompe à essence, à débit beaucoup trop lent, est remplacée par un réservoir dans lequel le carburant est maintenu sous forte pression grâce à une bouteille d'air comprimé. Le plein d'huile est effectué sous la surveillance du commissaire qui replombe ensuite l'orifice de remplissage du moteur. Toujours sous ses yeux, on procède à la vérification de la pression des pneus et, le cas échéant, aux quelques travaux d'entretien autorisés qui ne peuvent être effectués qu'au poste de ravitaillement et avec les seuls moyens du bord. Est-ce une concurrente étrangère?
La Ford Valentine, qui n'est certes pas d'un modèle des plus récents, va-t-elle s'attaquer au record de petite Rosalie? Non. Elle vient simplement faire sa promenade quotidienne pour semer les 125 lanternes tempêtes qui jalonneront la nuit le bas-côté de la piste. La ronde se poursuit inlassablement. Les jours succèdent aux jours et les records aux records. Le 27 juillet, petite Rosalie, ayant parcouru la formidable distance de 300 000 km en 134 jours, M. Citroën décidait de l'arrêter avant que l'usure ou un accident fortuit ne la mette hors de course. Désirant que l'examen détaillé de ses divers organes permette de faire le point des progrès accomplis en vue de préparer les progrès à venir. En quelques mots, Monsieur Citroën remercie tous ceux qui ont collaboré à cette extraordinaire performance. Tout particulièrement Monsieur Dintillac, administrateur délégué de la Société des huiles Yaco, promoteur de la tentative. Et la merveilleuse équipe de pilotes conduite par César Marchand, l'homme des records du monde. Afin de stimuler les recherches des ingénieurs en vue de nouveaux progrès à réaliser, Monsieur Citroën termine son allocution en annonçant qu'il vient de décider d'offrir un prix de 3 millions aux constructeurs français ou étrangers qui, avant le 1er janvier 1935, réaliseraient le premier, avec une voiture de sa fabrication, une performance meilleure que celle établie par Petite Rosalie. À la fin du lunch qui termine la manifestation, Petite Rosalie fait un dernier tour de piste, piloté par M. André Citroën lui-même. Mais tout n'était pas fini pour Petite Rosalie. Son capot est soigneusement plombé par un commissaire. Puis, elle quitte l'autodrome pour se rendre au laboratoire de l'ACF, toujours suivie de ses contrôleurs. Le directeur du laboratoire, M. Lumet, vérifie lui-même la cylindrée de Petite Rosalie. Quelques jours après, il se rend aux usines Citroën pour choisir au hasard sur la chaîne de montage un châssis 8 chevaux afin de s'assurer par l'examen comparatif des organes des deux châssis que Petite Rosalie est bien de série. Toutes les cotes des pièces sont comparées. Leur identité est encore contrôlée par la comparaison de leur poids. Ces opérations terminées, les pièces de chaque châssis sont enfermées dans deux caisses, soigneusement repérées et plombées. Elles sont transportées au laboratoire des arts et métiers, où une commission composée des plus éminentes personnalités scientifiques françaises examine en détail les pièces homologues et constate leur parfaite identité au point de vue chimique et métallographique. Petite Rosalie remontée finit sa carrière sur le stand du salon de l'automobile, la foule va l'admirer. Puis elle fut transférée au palais des expositions Citroën, place de l'Europe, avec ses devanciers. Ainsi,
Il avait fallu 30 ans à l'industrie automobile pour porter le record du monde de distance à 50 000 km. 2 ans suffirent aux usines Citroën pour l'élever progressivement à 300 000 km, et cela avec des voitures strictement de série. Aucune marque au monde ne peut produire un tel témoignage de la qualité de ses fabrications. Raids internationaux, records, publicité. André Citroën aura révolutionné les méthodes de communication des grandes entreprises. Après sa mort, il faudra attendre la fin des années 50 et l'arrivée du studio Delpire pour retrouver des publicités Citroën novatrices. Dans les années 70, la collaboration avec le publiciste Jacques Séguéla perpétuera une certaine innovation dans ce domaine. J'ai approché Citroën par le tour du monde, puisque c'est eux qui m'avaient permis de populariser mon tour du monde, c'est eux qui m'ont fait écrire mon premier livre. C'est grâce à eux d'ailleurs que je suis rentré à Match, parce que c'est eux qui m'ont fait rentrer à Paris Match, où je faisais d'ailleurs, où j'ai fait le lancement dans Match de la CX et de beaucoup de modèles Citroën. Et puis c'est eux ensuite qui m'ont fait rentrer dans la publicité chez Delpire. Puis j'ai créé mon agence. Delpire m'a d'ailleurs vendu la sienne à ce moment-là, et c'est comme ça que je suis entré directement sur le budget Citroën, pour une fois en main propre. C'est parti de là, et tout le renouveau de la marque est parti de là avec Savignac, puis ensuite avec Jean-Paul Goude, Gretchen, et tout ce qui s'est passé par la suite. La capacité à produire des publicités originales était bien évidemment renforcée par le fait que les Citroën étaient des autos d'avant-garde. Après-guerre, la 2 chevaux puis la DS vont en effet maintenir avec brio la politique d'innovation de la marque française. À Paris, le 35e salon de l'automobile a été inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République, dont la première visite a été pour ceux qui, comme Franet, sont devenus, par leur luxueuse conception de la carrosserie, les grands couturiers de la voiture. Il est loin le temps où le poète parlait de ces machines qui permettaient d'absorber en un jour autant de paysages, de ciel et de spectacles qu'on en absorbait autrefois au cours de toute une vie. Le temps où, loin des remises et des gares, loin des ateliers secourables, l'automobiliste était à la merci des caprices d'une force mystérieuse qui nous laissait inquiets sur l'avenir de la géniale découverte de l'homme. Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique par Citroën, qui présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. Et la 2 chevaux a pris naissance, un prototype, en 1935. Alors, il y a eu tout sur la 2 chevaux. Il y a eu des monocylindres, des bicylindres à refroidissement par eau, à refroidissement par air. Il y a eu de tout, des moteurs de temps. Tout a été essayé. La carrosserie a été, parce qu'on voulait gagner du poids, elle a été faite en toile cirée, tendue sur des arceaux métalliques, toujours pour gagner du poids. Et une voiture qui devait être très économique et qui devait pouvoir passer la nuit dans un champ comme un tracteur. Elle devait être sans entretien. Et puis la guerre est arrivée, le bureau d'études Citroën a continué de travailler quand même sur sa 2 chevaux, mais elle n'avait pas de batterie, pas de batterie, pas d'entretien. Il y avait un lanceur à main, et puis il y a eu un lanceur à pied, avec une pédale. Et puis c'était pas pratique du tout. Cette voiture, qui était parfaitement viable en campagne, avait un grave inconvénient. Elle ne pouvait pas stationner la nuit en ville, parce qu'à l'époque, le code de la route, qui était beaucoup plus sévère que maintenant sur ce cas précis, les voitures en ville, la nuit, devaient être éclairées. Impossible d'éclairer une voiture sans batterie. On ne pouvait pas mettre une pile, non. Alors un ingénieur du bureau d'études, c'est vous dire si ce bureau d'études était éclectique, il s'était beaucoup intéressé aux insectes autrefois, et il a eu l'idée d'élever des vers luisants. En se disant, je vais extraire de cet insecte sa partie phosphorescente
je vais en faire un agglomérat. On mettra ça dans des petites boules qui seront placées de chaque côté de la deux chevaux. Comme ça, la nuit, elle sera éclairée. Alors, il a élevé des vers luisants, mais malheureusement, ces pauvres bêtes, quand elles étaient mortes, ne luisaient plus. L'idée s'est arrêtée là. Et puis, la deux chevaux a continué avec, cette fois-ci, une batterie. Alors, elle avait une suspension par ressort placée latéralement. Et cette suspension avait une particularité, c'est qu'elle était à interaction. C'est-à-dire, si une roue avant se soulevait en passant sur un obstacle, sur une pierre, eh bien la suspension faisait réagir la roue arrière du même côté et la faisait dresser pour maintenir la carrosserie. Et puis, ben, elle consommait très peu, elle craignait pas le gel, elle est devenue la voiture populaire des Français. Et avec des délais de livraison qui ont atteint 7 ans, même presque 8 ans, tellement tout le monde l'a demandé. La deux chevaux va en effet devenir la plus populaire des voitures françaises, séduisant aussi bien le paysan que la jeune bourgeoise éprise de liberté. En haut de la gamme, la traction se fait alors vieillissante et son remplacement devient impératif. Au milieu des années 50, elle va laisser place à la plus formidable vitrine technologique jamais produite, la DS. La plus grande innovation de cette nouvelle berline sera constituée par l'utilisation massive de l'hydraulique, déjà testée sur la traction 15H. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits chaos n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Cette géniale combinaison de l'air et des fluides, on la doit à l'ingénieur autodidacte Paul Magès, qui l'adaptera à tous les organes principaux de la DS. Suspension, mais aussi direction, transmission et freinage seront ainsi gérés par ce principe de l'hydraulique, assurant un confort et une sécurité de conduite encore jamais atteints jusque-là. Le père de la DS est le même que celui de la traction et de la deux chevaux. André Lefebvre, ingénieur de génie, peut-être le plus important de l'histoire de l'automobile, fut recruté par André Citroën en 1933. Pendant plus de 20 ans, c'est à lui et à son équipe que l'on devra cette incessante course à l'innovation. Une volonté avant-gardiste qui fera prendre à la marque au double chevron près de 20 ans d'avance sur la concurrence. Jamais un bureau d'études n'aura fourni autant d'idées nouvelles et de progrès techniques sur des automobiles de grande série. Une innovation que l'on retrouvera jusque dans le stylisme grâce à des designers formidablement inspirés, tels que Flaminio Bertoni bien sûr, mais aussi son successeur Robert Oppron. Ce qui faisait la
Je crois la force du bureau d'études de Citroën, c'est qu'on mettait tous notre savoir, ou notre talent si on en avait, ou notre volonté, pour que la voiture existe. En fait, je pense que Citroën n'avait pas besoin de faire des dream cars pour démontrer qu'il avait un bureau d'études. Il valait mieux que ce soit fait pour les voitures de série. La confrontation de tant d'esprits inventifs ne se faisait pourtant pas toujours dans la douceur. J'avoue qu'au départ, je n'étais pas sûr de bien m'entendre avec Bertoni, qui avait été, au cours de cet entretien, assez pas violent, mais presque. Il m'avait balancé mes dessins par terre. C'est vrai, ça. Et je lui avais demandé de me les ramasser. Et il m'avait dit, à la fin de l'entretien, mais vous pourriez m'intéresser. Je lui ai dit, peut-être, mais vous ne m'intéressez pas. Les deux hommes vont pourtant collaborer et leur premier travail sera de restyler la DS, si possible, en innovant encore. Le projet de Bertoni, qui avait été un projet fait très rapidement, ne tenait pas compte des encombrements des optiques et avait une certaine finesse naturelle, si vous voulez. Et quand il a fallu monter le gros phare de 180 plus le phare additionnel de 135, je crois, il a fallu échancrer terriblement cette ouverture. Et Magès, en me regardant faire, un jour, me dit, mais si tu pouvais encore gagner un petit peu ici, tu vois, ça, on pourrait peut-être faire tourner le petit phare. Et c'est ce que j'ai fait, et Magès, avec son génie coutumier, avec un petit câble de vélo, en fait, trois fois rien, il a fait tourner le phare. À la fin des années 60, Citroën va alors faire feu de tout bois et développer de nouvelles techniques et concepts tels que la Mehari, un véhicule de loisir à carrosserie en plastique sur plateforme 2 chevaux. Puis viendra la GS, une berline moyenne gamme résultant de grandes recherches aérodynamiques. Bon, la GS, c'est un véhicule avec une faible motorisation qui doit avoir un bon CX et un bon SCX. Et donc nous partons en recherche très très rapidement là-dessus. Donc ça a été un succès. Ça a été un succès parce qu'on a eu le prix de la voiture de l'année, on a eu le prix de style car styling, enfin des choses comme ça à l'époque. Sur le plan technique, le début des années 70 est marqué par l'étude des moteurs à piston rotatif, suivant le principe du docteur Wankel. Deux modèles produits en petite série, la M35 puis la GSB Rotor, verront le jour. Mais la crise pétrolière et divers problèmes de fiabilisation viendront à bout du projet. Entre-temps, Citroën aura également produit le plus fantastique coupé de grand tourisme français, la SM. Il y a d'abord eu pas une ambiguïté, mais un désaccord. Un désaccord entre Ney et moi. Ney voulait un véhicule de rallye très court et très, très agressif et très sportif. Et moi, en réfléchissant, je voyais davantage un véhicule de prestige, de grand tourisme, qui apporterait une image à la marque très forte, d'autant plus que la DS vieillissait, etc. Et je m'en suis expliqué avec Pierre Bercot, qui était tout de suite d'accord avec moi. Au milieu des années 70, la gamme Citroën est la plus originale du monde. Néanmoins, la DS accuse le poids des années et doit être remplacée. Petit à petit, on s'est orienté donc vers une voiture qui ne dériverait pas de la DS, mais qui garderait dans l'esprit les mêmes méthodes de travail, c'est-à-dire le CX, le SCX, suspension, Magès avec son double
comment dirais-je, avec son châssis indépendant de la carrosserie monté sur 6 langues blocs, etc. Donc toujours cette volonté de progresser dans le confort, dans la tenue de route, dans le silence, dans l'absence de vibration, dans le bon CX, etc. etc. Et l'AGS existant, je me suis dit après tout, pourquoi ne pas constituer une gamme dans le même profil de voiture, c'est-à-dire ne pas passer au tricor, bien que M. Ravenel tenait absolument à ce qu'on fasse une 404. Bon, ils sont venus voir nos projets. Bon, d'abord ce fameux tricor d'Armand, et Ravenel était ravi. Vous voyez que l'on trouve, quand on cherche, on trouve. J'ai dit oui, mais on trouve, ça dépend de ce qu'on cherche. Monsieur Berco était pas loin et il boudait. Je sentais que c'était pas son truc. Alors, je me suis retrouvé un moment à côté de lui et je lui ai dit, vous savez, j'ai une étude en parallèle. Ah bon, où est-elle? Alors, on avait notre système de cloison, je vous ai vu des photos accordéon. Je l'ai emmené voir la maquette de la GS. De la CX, pardon, il était ravi. Il était ravi, il a appelé tous les autres, il leur a dit, perdez pas votre temps là-bas, voilà ce qu'il faut faire. Et là, son sourire était revenu. Mais par contre, celui de Ravenel était parti. Il était persuadé qu'en faisant des Peugeot, ça allait marcher. Bon. En effet, sous contrôle Michelin depuis 1935, Citroën est racheté par Peugeot en 1974. Ainsi, la Hélène et la Visa ne seront que des socialiennes maquillées, boudées par les vrais citroënistes. Si j'étais resté avec eux, c'est eux qui m'auraient foutu à la porte, parce que j'aurais jamais accepté de faire une Visa. C'est pas possible. Il n'y a pas eu d'évolution, c'est rétrograde plutôt. La faute n'en incombe pas nécessairement seulement à Peugeot. Peugeot part d'un sentiment très clair, très net, il faut faire de l'argent, le président est un banquier. Bon, à partir de là, il est facile de comprendre ce qui va se passer au point de vue de la banque d'Orcane. Mais quelques gens de chez Citroën, n'est pas parmi les moins, même Falconet dit à un moment, la deux chevaux est irremplaçable, donc elle ne sera pas remplacée. C'est très simple, il faut toujours aller plus vite avec plus de sécurité, plus de confort, et selon la gamme, avec des prix comme la deux chevaux, juste. Vous alignez ces paramètres, ils sont éternels et vous progressez. Vous posez-vous toujours cette question et l'automobile progressera. Alors à partir du moment où on ne se pose plus ces questions, où la seule question c'est combien on gagne, tout le reste devient secondaire. Et en fait, la voiture la meilleure, c'est celle du concurrent moins cher, quoi. On ne modifie pas du jour au lendemain une marque qui s'est créée autour de l'innovation de ses produits. Vers la fin des années 80, après plusieurs années de vaches maigres, Citroën va pourtant entamer une phase de réveil et retrouver la voie de l'innovation. Les prototypes Activa et Activa 2 vont ainsi renouer avec la grande tradition de la firme au double chevron, celle de proposer le meilleur confort et la plus grande sécurité de conduite possible. Outre les quatre roues directionnelles et les diverses opérations gérées électroniquement, comme l'abaissement de la garde au sol à haute vitesse, c'est avant tout la suspension Activa qui retient l'attention. Héritière directe de la suspension oléopneumatique de Paul Magès, elle en est l'évolution et la quintessence. Elle se compose d'un circuit hydraulique radicalement simplifié, de 6 sphères d'une conception entièrement nouvelle et d'un bloc hydroélectronique intégré ultra-compact appelé BHI. Le bloc BHI reçoit, via un réseau multiplexé, les informations gérées au centième de seconde sur la vitesse du véhicule, l'intensité des accélérations ou décélérations.
De nouveaux capteurs spécifiques l'informent de plus sur les débattements de roues, l'angle de braquage et la vitesse de rotation du volant. Ainsi informé en permanence, le bloc BHI va gérer en temps réel le comportement du véhicule. La troisième sphère, présente sur chaque essieu, selon qu'elle sera mise en circuit ou hors circuit, permettra, en faisant varier simultanément la flexibilité et l'amortissement, d'exploiter deux états de fonctionnement, souple ou ferme. Comme pour confirmer le renouveau de Citroën, les prototypes se sont multipliés à la fin des années 90. Divers concepts cars issus du bureau d'études, comme la majestueuse berline Lignage C6, empruntent aux autos des grandes heures comme la DS ou la CX. A noter pour les amateurs que la Lignage préfigurerait la prochaine grande berline offerte par Citroën en l'an 2003. Les nouvelles idées ne manquent pas non plus pour les véhicules de loisirs, comme en témoigne la plurielle à la carrosserie modulable, permettant de transformer un petit monospace en cabriolet. Citons encore l'osmose, défi idéologique puisqu'il envisage de réconcilier les automobilistes avec les piétons. À Paris, Irène et Paul dans leur osmose. Destination Saint-Cloud. D'ailleurs, c'est écrit. Ils sont prêts à partager la route. Et ils le font savoir. Jean est un piéton qui cherche une osmose pour aller à Saint-Cloud. Paul a perçu le message. Il va le prendre en charge. Chacun vit sa vie. Mais la route est partagée. Il faut bien l'avouer, je n'aurais jamais dit il y a 5 ans, quand la nouvelle vague n'était pas montée, mais maintenant qu'elle est là, on peut le dire, on a connu 10 ans de faiblesse de produit. Fatalement, ça s'est reporté sur la marque. Et quelles qu'aient pu être les circonvolutions que l'on a fait en publicité, elles seules n'auraient pas suffi à relever la marque. Mais est arrivé la Xara, qui est une belle voiture, qui a représenté le redémarrage de la beauté, de l'élégance, du raffinement français. Il y a du Catherine Deneuve dans Citroën. À partir d'aujourd'hui, tous les ans, un nouveau modèle va sortir. Tous les ans, une nouvelle bombe va arriver et Citroën redevient Citroën. Et le public le sent déjà. On le voit déjà dans les études d'image. Les Français, avec beaucoup de patience, ont tout pardonné à cette marque parce qu'ils ont espéré et cru en la marque. Essayons de partager ce bel optimisme et espérons que pour fêter son centenaire en 2019, Citroën sera une marque plus que jamais présente et synonyme d'innovation. La dernière berline C5, à la ligne élégante mais conventionnelle, fait aujourd'hui partie des automobiles les plus sûres et les plus confortables au monde. Que peut-on imaginer de plus que Citroën réalise une bombe aussi exceptionnelle que fut la DS il y a plus de 50 ans ?
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Lui, il pensait, surtout après les contacts avec Ford, faire une voiture populaire, pas chère et tout équipée. Ça a été la Type A, la première de toutes les Citroën. C'était une voiture assez classique sur le plan technique. Mais elle avait tout de même un carter moteur, des carters de boîte de vitesse, etc., en alliage léger. Ça, c'était quand même important. En 1925, Citroën sort une voiture qui était la suite de la série A et de la série B, qui était la B14. Et elle avait un moteur tout à fait nouveau, parce que le bloc cylindre, avec ses trous dedans, là, recevait dans chaque alésage, chaque cylindre, un appareil qui descendait. Cet appareil avait des galets cylindriques tout autour de l'axe principal. Et ces galets pouvaient s'écarter par un excentrique qu'il y avait dans le milieu. Alors on descendait ce chapelet de galets dans le cylindre et on écartait les galets qui venaient écraser l'intérieur du cylindre avec une pression étonnante, à tel point que les cylindres étaient fabriqué plus petit que la cote définitive, puisqu'on l'élargissait. Ça donnait une dureté à ces cylindres extraordinaire. Ils étaient inusables. Et le procédé, malheureusement, a été abandonné parce qu'il était trop cher. Toujours dans l'idée de faire parler de lui, de faire parler du nom de Citroën, cet homme génial a décidé de fabriquer des auto-chenilles. Avec, pour les chenilles, l'aide d'un grand ingénieur, Instinct et Kégresse. Kégresse est le nom qui est resté de ces chenilles en caoutchouc, ce qui était tout à fait nouveau. Et puis, ça a été la création de la croisière noire et finalement de la croisière jaune. Et tout ça a été une époque qui a coûté très cher à Citroën. Il a essayé d'en vendre en France à l'industrie pour remplacer les tracteurs agricoles, c'était cher, les chenilles étaient relativement fragiles, les réparations presque impossibles, et il n'y a pas eu de suite. Dans les années 20 et 30, Citroën va aller d'invention en invention à tous les niveaux. Il est par exemple
le premier à éditer des revues techniques sur ces modèles. Concernant ces véhicules, André Citroën, toujours à la recherche d'un meilleur confort, adopte en 1932 un brevet français vendu à Chrysler, le moteur flottant, qui consiste à monter la mécanique sur cylindre bloc. Bien avant, en 1925, il décide de renforcer la sécurité de l'habitacle et utilise la coque tout acier. Auparavant, la carrosserie était constituée d'une structure en bois, à panneaux de tôle, qui ne pouvait résister à aucun choc. L'utilisation exclusive d'acier constitue alors une grande innovation pour la sécurité routière. Poursuivant dans ce sens, la marque Citroën lance en 1932, avec la nouvelle gamme Rosalie, la carrosserie monopièce. Il ne s'agit pas encore d'une structure véritablement monocoque, mais l'ensemble des panneaux latéraux sont pressés d'une seule pièce, ce qui constitue une formidable innovation dans le domaine de l'emboutissage. La rigidité de la carrosserie s'en trouve évidemment accrue, et Citroën n'hésite pas à effectuer des démonstrations spectaculaires pour le prouver. De telles inventions s'accompagnent logiquement de coûts de production plus élevés, les techniques de fabrication et les machines-outils étant de plus en plus perfectionnées. Malgré le succès considérable de ces automobiles, André Citroën s'endette d'année en année pour améliorer sans cesse. Les effets de la crise économique de 1929 commencent néanmoins à avoir des répercussions dramatiques sur l'ensemble de l'industrie. En 1932, la production chute de moitié et Citroën est contraint de licencier massivement et d'effectuer des contrôles draconiens sur les finances. Ce qui ne l'empêche pas d'agrandir à grands frais le site de Javel en 1933, emporté par un enthousiasme et une mégalomanie aveugle. Continuellement animé par l'envie d'aller toujours plus loin dans l'innovation et d'avoir plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence, Citroën lance en 1933, contre l'avis des financiers, l'étude d'une automobile révolutionnaire à tout point de vue. Citroën pensait déjà depuis un moment faire une traction avant. Et voilà que Lefèvre arrive avec ce projet. Ça, l'accord a été conclu tout de suite. Et un an après, vous me suivez bien, de mars 1933, mars 1934, la traction était finie, elle roulait et elle était présentée au concessionnaire. En partant de zéro, aucune autre pièce d'aucun autre modèle de Citroën n'avait été réutilisée. On serait incapable de faire, en partant de zéro, une voiture aussi révolutionnaire que celle-là. On serait incapable de le faire maintenant. Va bien, la promenade continue. Alors cette traction avant avait une carrosserie coque, ce qui était nouveau. Elle avait un plancher plat, lisse, donc aérodynamique. Elle avait une suspension par barre de torsion. Elle avait un tableau de bord nouveau, les vitesses sur la planche de bord. À l'avant de cette coque, il y avait quatre broches avec quatre boulons et on pouvait enlever les quatre boulons, enlever tout le train avant d'un bloc, le moteur, la boîte de vitesse, l'essieu, les roues, le radiateur, tout sortait d'un bloc, comme un tiroir. Et puis, ça a été le succès de la traction avant. André Citroën ne connaîtra pourtant pas le succès considérable de sa traction avant. Rongé par un cancer, usé psychologiquement, il décède le 3 juillet 1935, à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une œuvre considérable, pas seulement liée à l'histoire de l'automobile.
Il est mort ruiné parce qu'il a pris les banquiers de front. Et il était un peu mégalo, ça va avec le personnage. Donc il n'a jamais accepté d'être débiteur des banques et de devoir tous les lundis matins, comme tous les présidents, y compris ceux de l'automobile, aller faire leur couverte devant les banquiers. Il est même allé jusqu'à créer sa propre banque en faisant ses propres crédits, parce qu'il a aussi inventé le crédit automobile. Et là, l'intelligentsia de la banque s'est braquée contre lui et l'a mis en faillite. Mais une faillite d'ailleurs qui était à la limite de la tolérance, tolérable, puisque à 3 mois près, il faisait la soudure, il avait pris du retard sur le lancement de l'attraction. Si l'attraction était arrivée, la maison se redressait. Elle s'est redressée d'ailleurs quelques mois après lui. Je pense qu'André Citroën a tout inventé de la publicité moderne. Certes, il est arrivé à l'âge de la réclame, c'était encore du beau, du bon, du bonnet. Et avec cet esprit d'innovation, mais aussi d'aventurier qui le hantait, il a défriché tout ce qui était autour de la publicité. D'abord les croisières qui l'ont rendu célèbre, mais qui étaient des véritables opérations de publicité. La visite d'usine, Lindbergh lui-même, qui s'est dirigé grâce à la Tour Eiffel, hein, qui a atterri grâce à la Tour Eiffel et à Citroën sur la Tour Eiffel, est venu à cause de ça, parce qu'il avait refusé, mais comme il a estimé que la Tour Eiffel, illuminée par Citroën, lui avait sauvé la vie, il a accepté de venir inaugurer l'usine. Ça a été un moment extraordinaire. Et puis, il a inventé ce qui fait florès encore aujourd'hui, les essais. Il avait prévu le principe de caravane qui faisait le tour de France de toutes ses concessions et qui, pour la première fois, permettait d'essayer les voitures qui, bon, il y a déjà 70 ans, étaient une révolution. En 1922, André Citroën va lancer ses fameux raids à travers l'Afrique et l'Asie. La traversée du Sahara en 1922 et 1923, puis la fameuse croisière noire en 1924 et 1925, vont constituer un fantastique défi technique et humain, permettre d'explorer des terres encore méconnues et apporter à Citroën une publicité sans précédent. Plus emblématique encore sera la croisière jaune de 1931 à 1932, avec un parcours de 12 000 km à travers des paysages qui n'avaient encore jamais vu d'automobile et n'en verront jamais plus. La Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Inde verront passer la colonne de Citroën. Les auto-chenilles passeront même à travers les plus hauts sommets du Tibet, bien qu'il ait fallu parfois les démonter pièce par pièce. Puis ce seront les vents de sable du désert de Gobi qui attendront les aventuriers français. L'arrivée triomphale à Pékin consacrera l'endurance des mécaniques Citroën, 12 des 13 auto-chenilles ayant pris le départ, franchissant les portes de la capitale chinoise. Les films réalisés sur ces croisières feront le tour du monde, faisant du nom Citroën un synonyme d'avant-garde et de défi. En 1925, André Citroën aura une autre idée pour faire connaître sa marque. Toujours grandiloquent, il n'hésitera pas en effet à investir toute la hauteur de la Tour Eiffel pour y installer son nom en lettres de feu. Des milliers d'ampoules et de mètres de câbles électriques seront nécessaires pour parvenir à créer cette publicité géante. Pour mener à bien l'installation, on fera appel à des voltigeurs, trapézistes et autres cascadeurs
capable de travailler à plusieurs dizaines de mètres du sol sans connaître le vertige. On remarquera d'ailleurs sur ces images qu'aucun d'eux ne porte de baudrier ou de câble de sécurité. Citroën de série, petite Rosalie, a parcouru sur l'autodrome de Montlhéry, à plus de 93 de moyenne, 300 000 km en 134 jours, ce qui représente près des 4 cinquièmes de la distance de la Terre à la Lune. Jamais voiture au monde n'avait approché une telle performance. La 8 chevaux Citroën, petite Rosalie, a été achetée chez un concessionnaire parisien de la marque par la société des huiles Yaco, et mise en piste par elle le 15 mars 1933. La voici au 62e jour de sa ronde, qui jusqu'alors s'est déroulée sans histoire. À cette date, elle commence à établir de nouveaux records du monde, puisqu'elle vient d'atteindre 140 000 km et de surpasser par conséquent l'exploit de son aîné. Voici, devant la ligne de départ, le poste de contrôle où se tiennent en permanence jour et nuit les commissaires techniques et chronométreurs officiels de l'ACF. La tentative est contrôlée d'une façon permanente par les commissaires techniques de l'Automobile Club de France qui veillent impitoyablement à la stricte application des règlements internationaux. Mais voici l'heure du ravitaillement de la voiture. Celui-ci ne peut naturellement s'effectuer qu'en présence même d'un commissaire. Régulièrement, toutes les 5 heures, la voiture fait son plein d'essence et éventuellement d'huile et d'eau. C'est aussi à ce moment que s'effectue le changement de pilote. Le signal d'arrêt est donné. Voici Bodeco, qui va relayer au volant de la vaillante petite voiture son camarade Lucien Marchand. Les ravitaillements sont effectués à une allure record, car les temps d'arrêt, quelle que soit leur cause, ne sont en aucun cas neutralisés. Leur durée compte dans le temps total du parcours de la performance. La pompe à essence, à débit beaucoup trop lent, est remplacée par un réservoir dans lequel le carburant est maintenu sous forte pression grâce à une bouteille d'air comprimé. Le plein d'huile est effectué sous la surveillance du commissaire qui replombe ensuite l'orifice de remplissage du moteur. Toujours sous ses yeux, on procède à la vérification de la pression des pneus et, le cas échéant, aux quelques travaux d'entretien autorisés qui ne peuvent être effectués qu'au poste de ravitaillement et avec les seuls moyens du bord. Est-ce une concurrente étrangère? La Ford Valentine, qui n'est certes pas d'un modèle des plus récents, va-t-elle s'attaquer au record de petite Rosalie? Non. Elle vient simplement faire sa promenade quotidienne pour semer les 125 lanternes tempêtes qui jalonneront la nuit le bas-côté de la piste. La ronde se poursuit, inlassablement. Les jours succèdent aux jours et les records aux records. Le 27 juillet,
petite Rosalie, ayant parcouru la formidable distance de 300 000 km en 134 jours, M. Citroën décidait de l'arrêter avant que l'usure ou un accident fortuit ne la mette hors de course. Désirant que l'examen détaillé de ses divers organes permette de faire le point des progrès accomplis en vue de préparer les progrès à venir. En quelques mots, M. Citroën remercie tous ceux qui ont collaboré à cette extraordinaire performance. Tout particulièrement M. Dintillac, administrateur délégué de la Société des huiles Yaco, promoteur de la tentative. Et la merveilleuse équipe de pilotes conduite par César Marchand, l'homme des records du monde. Afin de stimuler les recherches des ingénieurs en vue de nouveaux progrès à réaliser, M. Citroën termine son allocution en annonçant qu'il vient de décider d'offrir un prix de 3 millions aux constructeurs français ou étrangers qui, avant le 1er janvier 1935, réaliseraient le premier, avec une voiture de sa fabrication, une performance meilleure que celle établie par Petite Rosalie. À la fin du lunch qui termine la manifestation, Petit Rosalie fait un dernier tour de piste, piloté par M. André Citroën lui-même. Mais tout n'était pas fini pour Petite Rosalie. Son capot est soigneusement plombé par un commissaire. Puis, elle quitte l'autodrome pour se rendre au laboratoire de l'ACF, toujours suivie de ses contrôleurs. Le directeur du laboratoire, M. Lumet, vérifie lui-même la cylindrée de Petite Rosalie. Quelques jours après, il se rend aux usines Citroën pour choisir au hasard sur la chaîne de montage un châssis 8 chevaux afin de s'assurer par l'examen comparatif des organes des deux châssis que Petite Rosalie est bien de série. Toutes les cotes des pièces sont comparées. Leur identité est encore contrôlée par la comparaison de leur poids. Ces opérations terminées, les pièces de chaque châssis sont enfermées dans deux caisses, soigneusement repérées et plombées. Elles sont transportées au laboratoire des arts et métiers, où une commission composée des plus éminentes personnalités scientifiques françaises examine en détail les pièces homologues et constate leur parfaite identité au point de vue chimique et métallographique. Petite Rosalie remontée finit sa carrière sur le stand du salon de l'automobile où la foule va l'admirer. Puis elle fut transférée au palais des expositions Citroën, place de l'Europe, avec ses devancières. Ainsi, il avait fallu 30 ans à l'industrie automobile pour porter le record du monde de distance à 50 000 km. 2 ans suffirent aux usines Citroën pour l'élever progressivement à 300 000 km, et cela avec des voitures strictement de série. Aucune marque au monde ne peut produire un tel témoignage de la qualité de ses fabrications. Raids internationaux, records, publicité. André Citroën aura révolutionné les méthodes de communication des grandes entreprises. Après sa mort, il faudra attendre la fin des années 50 et l'arrivée du studio Delpire pour retrouver des publicités Citroën novatrices. Dans les années 70, la collaboration avec le publiciste Jacques Séguéla
perpétuera une certaine innovation dans ce domaine. J'ai approché Citroën par le tour du monde, puisque c'est eux qui m'avaient permis de populariser mon tour du monde, c'est eux qui m'ont fait écrire mon premier livre. C'est grâce à eux d'ailleurs que je suis rentré à Match, parce que c'est eux qui m'ont fait rentrer à Paris Match, où je faisais d'ailleurs, où j'ai fait le lancement dans Match de la CX et de beaucoup de modèles Citroën. Et puis c'est eux ensuite qui m'ont fait rentrer dans la publicité chez Delpierre. Puis j'ai créé mon agence. Delpierre m'a d'ailleurs vendu la sienne à ce moment-là, et c'est comme ça que je suis entré directement sur le budget Citroën, pour une fois en main propre. C'est parti de là, et tout le renouveau de la marque est parti de là avec Savignac, puis ensuite avec Jean-Paul Goude, Gretchen, et tout ce qui s'est passé par la suite. La capacité à produire des publicités originales était bien évidemment renforcée par le fait que les Citroën étaient des autos d'avant-garde. Après-guerre, la 2 chevaux puis la DS vont en effet maintenir avec brio la politique d'innovation de la marque française. À Paris, le 35e salon de l'automobile a été inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République, dont la première visite a été pour ceux qui, comme Franet, sont devenus, par leur luxueuse conception de la carrosserie, les grands couturiers de la voiture. Il est loin le temps où le poète parlait de ces machines qui permettaient d'absorber en un jour autant de paysages, de ciel et de spectacles qu'on en absorbait autrefois au cours de toute une vie. Le temps où, loin des remises et des gares, loin des ateliers secourables, l'automobiliste était à la merci des caprices d'une force mystérieuse qui nous laissait inquiets sur l'avenir de la géniale découverte de l'homme. Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique par Citroën, qui présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes.